Salut à vous tous, bienvenue sur CC491, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le diabète fascicule 4, boisson lucide ou non? Podcast de Pascal Cusson, mis en vidéo par moi-même, et c'est avec plaisir que Pascal vous propose cette nouvelle vidéo sur le diabète, parce qu'on a quand même pas mal d'amis maintenant qui sont très intéressés de savoir exactement ce qu'on peut faire concernant le diabète pour se soigner ou faire attention. Donc Pascal s'est collé à ce travail-là, et je rappelle, parce qu'on m'a encore posé la question, que Pascal lit des notes sur sa plage braille, le bloc-notes, c'est un bloc-notes qu'il a plutôt, mais qui est relié à l'ordinateur, et en lisant, il vous répète ses notes sur son Victor Stream, et de façon que vous puissiez vraiment pouvoir le suivre assez facilement. Donc ne vous inquiétez pas, Pascal n'a pas fini son travail, il y a encore de quoi faire sur le diabète, et donc il le fait avec immense plaisir. Les vidéos vous plaisent, merci de vous abonner à la chaîne de CC491, ceci nous fait plaisir avec Pascal, et permet de voir vraiment que vous suivez vraiment nos vidéos, ce qui vraiment pour nous est important, puisque ça nous motive à vous en faire d'autres tout simplement. Et je sais, et nous savons que ça plaît de plus en plus, alors gros merci à vous de vous abonner, ou de voir les vidéos, le principal c'est au moins que vous puissiez les voir, que vous puissiez vous dépanner, c'est notre but, avoir des informations diverses, donc on y arrive petit à petit à alimenter la chaîne, grâce à vous tous, à votre présence, et donc gros merci, et merci de continuer à nous suivre. Bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson derrière le micro de Ceci Info 91, la chaîne YouTube d'Alain Leclerc destinée à apporter des informations utiles pour les non-voyants concernant les logiciels, le web et ainsi de suite pour vous aider, vous amis non-voyants et malvoyants, à progresser dans le domaine informatique de nos jours. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de fascicules sur le diabète. C'est le fascicule numéro 4. Bon, nous allons entamer une série dans chacun des fascicules suivants pour terminer la série sur le diabète. Nous allons entamer une série de tableaux. Il y aura un tableau par fascicule. Ces tableaux, ça concerne, ces tableaux concernent les équivalences en sucre ou en lipides dans les groupes d'aliments dont on a parlé dans le fascicule numéro 3. Vous vous souvenez, les sept catégories, les sept groupes d'éléments. Donc, ça fait suite à ça. Donc, dans le fascicule numéro 4, le tableau s'intitule « Les boissons et les lipides qu'elles contiennent ou non ». Il faut que je vous indique aussi que tous les tableaux qu'on va faire dans les séries suivantes, ces tableaux-là je vous les donne à titre indicatif. Donc, pour être plus sûr, vous pouvez toujours demander conseil à votre médecin ou à votre diététicien pour qu'il agisse encore un peu mieux
pour vous. Voilà, on commence maintenant le fascicule numéro 4 sur le tableau concernant les boissons avec leurs apports ou non en glucides. C'est parti! Il est conseillé de boire régulièrement 1,5 litre d'eau ou d'infusion par jour. Bon, les infusions, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça peut être toutes sortes de tisanes. Mais faites attention aux tisanes parce qu'il y en a qui sont spécifiquement pour certaines parties du corps. Ou pour vous aider à dormir ou pour vous réveiller. Il y a des tisanes qui se boivent chaudes ou froides. Essayez d'acheter une boîte de tisane avec un sachet par variété. Je comprends ce que je dis. Mettons, il y a 8 sachets différents dans il y a 8 sachets dans la boîte, donc ça peut être 8 variétés différentes. Faites-vous lire la boîte pour bien être sûr que vous pensez aimer ça. Parce que c'est, comme on dit, tout ce qui est bon pour la santé n'est pas toujours bon au goût. Mais vu que c'est bon pour la santé, eh bien, aussi bien s'y habituer. Puis vous pouvez boire aussi en infusion du thé. Ça fait du thé vert, du thé noir, du thé en sachet, du thé en feuille. Bon, après ça, on va peut-être pouvoir vous équiper d'une vraie théière et apprendre à préparer du vrai thé si vous l'achetez en feuille. Mais bon, c'est toujours intéressant à apprendre. Et puis, il y a plein de petites vidéos là-dessus sur Internet, comment préparer du thé. Toutes les boissons qui n'apportent pas de calories sont conseillées. Par exemple, les eaux aromatisées, ça c'est des eaux qui contiennent, c'est de l'eau de source dans le fond qui contient des petites saveurs, vous pouvez en avoir à la cerise, à la pomme, je sais pas moi, au citron, vous pouvez en avoir à la lime, vous pouvez en avoir au thé glacé. Je prends des petites bouteilles avec un genre de sirop concentré, vous en avez marre, mettons, de boire de l'eau plate qui goûte à rien. Bon, ben, vous mettez une goutte ou deux de sirop pour parfumer votre eau et qu'elle goûte un petit quelque chose. Mais mettez-en pas trop. Juste une goutte ou deux. Mais par exemple, il faut que vous vérifiez leur composition en glucides. Donc, vous achetez celles qui ont moins de sucre possible dans ces espèces de petits arômes qu'on peut ajouter à l'eau. Vous pouvez aussi boire des eaux minérales comme, je sais pas, moi j'en bois pas, mais quel nom qui pourrait venir à l'esprit. Bon, la plus connue, je crois que c'est la Badoit. Les autres Vichy, la Badoit ou Vichy ou des trucs du genre. Là. Ce qu'il y a dans votre pays en tout cas. Des eaux avec des minéraux dedans, ça aide à une bonne digestion aussi. Pour ceux qui sont accros aux boissons gazeuses, mais vous pouvez en boire, mais pas de tout. On va donner des exemples. Les boissons gazeuses légères, comme Orangina Light, le Schweppes Light, Coca Light, Pepsi Light, je sais pas moi qu'est-ce qu'il pourrait avoir. En light aussi, pour avoir le 7-Up et pour avoir le Ginger Ale. Des choses dans ce genre-là. Là. Mais en même temps que vous preniez light ou allégé, comme on dit light, ça veut dire allégé, ou s'il y en a par chez vous, vous prenez celles qui sont qui sont marquées 0 dessus. Donc, si ça indique 0, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de sucre. Puis le goût est quand même très bon parce que light, parfois, il peut avoir de l'aspartame dedans, puis le goût est pas terrible. Prenez conscience qu'il faut boire de ça sans en abuser. On vous en prive pas, mais faut quand même. On peut quand même en prendre pour après un repas pour digérer ou bon pour les enfants pour pas les priver totalement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi. Les cafés, les thés, puis les fameuses tisanes dont on parlait tantôt, vous pouvez en prendre, mais sans sucre. Pour ce qui est du café, buvez-en pas plus que. Oh, si c'est du café ordinaire, pas plus que deux par jour. Du café ordinaire, en voulant dire de la caféine dedans, que ce soit du café en pot ou du café au percolateur. Pas plus que deux par jour, parce que ça fait beaucoup monter la tension. Et quand la tension monte, eh bien, ça augmente le taux de glucides dans le sang. Donc, vous n'en buvez pas plus que deux.
pour du décaféiné, pas en boire jusqu'à 4 ou 5. Mais toutes ces boîtes, puis le thé, comme je dis, c'est soit en feuilles ou en sachets. Les tisanes, c'est en feuilles ou en sachets aussi, mais tout ça, n'oubliez pas, c'est sans sucre. Bon. Mais en revanche, il faut vraiment faire attention aux boissons genre pur jus de fruits ou jus de fruits sans ajout de sucre, car elles contiennent des glucides, c'est-à-dire des glucides, comment je pourrais dire, ceux du fruit, ce qu'on appelle les fructoses. Donc, n'ajoutez absolument pas de sucre là-dedans, jamais. Les boissons, il y a aussi des boissons sans alcool, sont souvent enrichies en sucre. Donc, c'est genre bière sans alcool ou vin sans alcool, ça c'est pour ceux qui ont un problème d'alcoolisme. Ben, buvez-en pas trop. Déjà, ça va au moins vous donner le goût de boire de la vraie boisson. Et puis, mais juste pour accompagner les amis, parfois vous en buvez une ou deux comme ça, pour pas être en dehors du coup totalement, quoi, pour vous sentir à l'aise avec les copains, copines. Mais pas plus que deux ou trois dans toute votre journée, pas plus. Parce qu'il y a du sucre là-dedans, et puis ça peut vous mener en hypoglycémie. Évitez les apéritifs ou boissons alcoolisées. Ils favorisent les hypoglycémies s'ils sont consommés sans collation et ils sont riches en calories. Donc écoutez, peut-être prendre un petit apéro, mais vous êtes obligé de manger un petit quelque chose, une petite collation, des biscottes, des petites biscottes, quelques petites biscottes ou quelque chose comme ça avec. Ou quelques chips, mais des chips cuits au four et non pas cuits dans l'huile. Donc, vous avez une marque très connue dans le monde entier qui s'appelle Lay's. Donc, ça, c'est cuit au four. Ou des chips de maïs, comme Doritos, Tostitos, Mexitos, des genres comme ça. Vous en prenez une petite poignée avec un verre d'apéro. Mais on s'arrête là.